De nouvelles fermetures d'écoles ont par ailleurs été prononcées dans l'agglomération de Montpellier ainsi qu'en Corse désormais. C'est toute l'île qui est concernée, mais il faut aller encore plus loin pour le président de l'Assemblée territoriale, Jean-Guy Talamoni. Nous pensons que dans la situation actuelle de poursuivre les relations aériennes et maritimes avec l'Italie, c'est un danger que l'on fait courir aux Corses. Il faut aujourd'hui prendre enfin cette décision de suspendre les liaisons aériennes et maritimes. Pour l'instant, nous ne demandons pas davantage, il ne faut pas non plus tomber dans la psychose, mais il y a une situation sérieuse. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que cette épidémie fasse le moins de dégâts possible.